What is important is, Mark Mejo, ladies and gentlemen, is that the Boeing CMR-0001, the calling name for the presidential aircraft of Cameroon, has touched down the tarmac of the Simbalan International Airport. That was at exactly 4:37 p.m. from Geneva. And voilà, so President Paul Biya is out of the plane. En image, une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismaël Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what is happening. C'est l'image du jour. No comments. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle, on peut deviner le rôle important, prépondérant, qu'elle joue aux côtés de son illustre époux, et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He is alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, to get the sense of the pulse of the nation. And the President now is done with the Secretary General. He has now moved into his limousine. You could see from the pictures, it confirms what Ibrahim Sherif said at the beginning of their commentary about the president's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle du président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça, c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Eh bien, voilà l'image sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques hauts diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui gagne parfois nos compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur des ignorances. You can see the window of the car is already wind down, an indication that President Obama is going to wave at the crowd of CPDM supporters and Cameroonians who have gathered here at the airport to say welcome. That is the president. À l'esplanade arrière de l'aéroport international de Yaoundé, Simbalen, eh bien là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, point besoin de dessin pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la République et la première dame, vitre baissée, eh bien, qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les composantes sociologiques. It is mission accomplished for these Cameroonians who are here. Just with a wave from the President of the Republic, it is mission accomplished for them, because that is what many of them were waiting for. And of course, it is going to repeat itself when the President will drive through the streets of Yaoundé. On croit revivre le scénario du 6 novembre 1982. Le président de la République qui est donc escorté par cette foule de militants jusqu'à la sortie de cet aéroport. Eh bien, c'est le premier test, c'est le premier baromètre de popularité. Ce n'est pas le seul, parce que tout à l'heure, à pratiquement tous les carrefours, et déjà, nous annonçons que dans quelques minutes, nous allons passer l'antenne à Aimé Robert Biyina et Benen Boumagana, qui sont donc à bord de la Nouria, qui donc va nous permettre de vivre en direct sur la CRTV d'autres grands moments de ce retour au bercail de Paul et Chantal Biya. Là,
l'avez vu, on l'a tous vu en direct sur la CIAC TV, on l'a vu de par le monde, mais également avec les riverains des Simalènes qui ont eu. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le cortège présidentiel a déjà mis le cap sur le centre-ville de Yaoundé où des grappes humaines enthousiastes. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra mon frère, regarde ce qui sort de mon corps. Ça c'est comme ça l'alcool. Il a encore même interdit de ne même plus boire les bières. Ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis monsieur Takuke Matiedi, docteur Moringa. Alors je suis chercheur multidimensionnel. Alors notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui dis, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème dans tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibrome, de kyste, de cancer, de troubles de vie, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de spermatozoïde, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est des traitements que je fais généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la HS à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour tous vos problèmes de santé, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mangui le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai 3 minutes dans la vie de Yaoundé. Et je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.